J'ai 53 ans et je n'ai jamais porté de lunettes. Si vous désirez améliorer votre vision, ces exercices sont pour vous. Hello, bonjour les élixirs, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien moi, ça va. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment garder une belle vue sans lunettes. J'ai 53 ans, comme vous le savez, et je n'ai jamais porté de lunettes. Lorsque j'ai eu 45 ans, j'ai senti que ma vue baissait un petit peu. Alors, je suis allée chez l'ophtalmo. Eh bien, il m'a juste dit que ma vue commençait à baisser et que c'était normal avec l'âge. Et qu'il fallait que je porte des lunettes, comme beaucoup de personnes de mon âge. Rien à signaler. Au revoir, madame. Et comme je suis une personne qui cherche toujours une solution naturelle avant toute chose lorsqu'il s'agit de ma santé, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai découvert que l'on pouvait améliorer sa vue grâce à des exercices. Et un jour, par hasard, j'en ai discuté avec un de mes beaux-frères qui s'appelle Eric. Coucou Eric si tu passes par là. Et il m'a dit qu'il utilisait ces exercices, ces mêmes exercices, pour améliorer sa vue et qu'il était super content du résultat. Alors voici comment je me suis mise à la pratique de ce type d'exercice pour améliorer ma vue. Et figurez-vous que ça fonctionne. Oui, cela fonctionne. On me dit régulièrement, tu lis sans lunettes? Eh bien oui. Alors que je passe énormément de temps sur les écrans, à 53 ans, grâce à cela, j'ai une très bonne vue. Lorsque vous travaillez sur des écrans, le mouvement de vos yeux ne s'effectue pas et est toujours, vos yeux restent fixes. C'est-à-dire que vos yeux ne vont pas à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous n'avez pas les clignements des yeux non plus. Et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure, votre vue va baisser, car cela affaiblit le muscle oculaire. Évidemment, si vous rencontrez un gros problème de vue ou une chute brutale de votre vision, allez consulter surtout. Mais si votre vue commence à baisser, comme c'est mon cas, comme c'était mon cas, petit à petit, lentement, et que c'est dû à l'âge, ces exercices peuvent vous être utiles. Lorsque vous travaillez sur des écrans, votre regard est toujours fixe. Et c'est ce qui fait que votre vue va baisser, car vous n'avez plus les mouvements oculaires sur les côtés, en haut, en bas, les clignements des yeux, etc. Donc, votre muscle oculaire va s'affaiblir à force de rester statique, statique sur les écrans. Alors, voici maintenant quelques exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre vision. Alors, vous allez commencer par faire un cercle avec vos yeux dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez le faire 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre sens. Surtout, il est très important de garder la tête fixe pendant les exercices. Ne bougez pas la tête en même temps que les yeux. Votre tête doit rester vraiment totalement fixe. Il y a uniquement les yeux qui sont sollicités. C'est très important. Le prochain exercice, il s'agit de tracer une diagonale avec vos yeux. Comme ceci. Et ensuite, comme cela. C'est très bien.
Un autre exercice, vous allez regarder en haut et en bas. En haut et en bas. Et vous le faites plusieurs fois, surtout sans bouger la tête. Le plus haut possible et le plus bas possible. Faites-le une dizaine de fois et maintenant vous allez faire la même chose mais sur le côté. À droite, puis à gauche, en insistant bien, comme si vous vouliez voir le plus loin possible sur les côtés. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. C'est très bien. Respirez. Nous allons refaire l'exercice avec le cercle. Vous pouvez avoir des tiraillements au niveau des muscles oculaires ou quelquefois peut-être un petit peu de tension au moment des exercices. Et cela est tout à fait normal puisque ce sont des muscles que vous ne sollicitez quasiment jamais. Et maintenant, le prochain exercice, ce sont les clignements des yeux, comme ceci. C'est un geste que l'on ne fait plus lorsque on se trouve en position de travail face à un ordinateur ou même devant son smartphone. Nous avons tendance à ne pas cligner des yeux et cela assèche les yeux mais fatigue également énormément puisque vous ne sollicitez plus vos yeux qui restent fixes en permanence et c'est ce qui affaiblit votre muscle oculaire. Un autre exercice avec le pouce cette fois-ci. Alors, vous regardez votre pouce, vous le mettez face à vous comme ceci et vous fixez votre pouce de très près. Vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous éloignez votre pouce en comptant jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et il faut vraiment que le pouce soit assez loin pour que votre bras soit tendu. Voilà, et vous verrez que vous voyez peut-être double, et là vous revenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours en fixant le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
C'est très bien. Et maintenant, vous regardez au loin, vous regardez l'horizon. Quelque chose de très loin. Il y a un autre exercice que vous pourrez faire également seul, hein, je vous laisserai le faire. C'est dessiner les lettres de l'alphabet avec les yeux. De la lettre A jusqu'à la lettre Z. Donc vous dessinez le A avec les yeux, le B jusqu'à la lettre Z. Et ça, c'est un excellent exercice. Donc je vous laisse le faire seul. Cet exercice, je le pratique une fois par semaine ou tous les 15 jours. Lorsque vous avez effectué tous ces exercices, vous pouvez conclure par ce que l'on appelle le palming. Le palming, c'est le fait de poser les paumes des mains sur les yeux, comme ceci. Surtout, vous n'appuyez pas trop fort, vous posez juste délicatement la paume de vos mains dans le creux des yeux. Et ça apaise. Cela repose totalement vos yeux. Et vous allez sentir cette chaleur qui va détendre les yeux. Ah oui, cela fait énormément de bien. Ce que je fais également, c'est que je frotte mes mains de cette façon et je les pose sur mes yeux. C'est comme une sorte de spa. Comme ceci. Ça fait beaucoup de bien, ça repose les yeux totalement. Vous sentez la chaleur des mains sur les yeux. Vous posez vos mains comme ceci sur le globe oculaire. Voilà. Comme sur tout le visage, ça fait énormément de bien. C'est vraiment agréable. Vous sentez cette chaleur bienfaisante. Voilà. Et vous avez les yeux totalement reposés. Et les muscles oculaires ont travaillé. Faites-le une ou deux minutes. Voilà, tranquillement. Vous respirez, vous prenez le temps pour vous. Pour améliorer votre vue. C'est tellement agréable. Et bien voilà, j'étais très heureuse de partager avec vous ces exercices que je pratique toutes les semaines ou tous les 15 jours. Cela vous permettra de garder une bonne vue et de pouvoir continuer à lire sans lunettes. À 53 ans, je continue à lire sans lunettes et je conduis sans lunettes. Je ne porte pas de lunettes, je n'en ai jamais porté. Ces exercices ont fonctionné pour moi et j'espère qu'ils fonctionneront également pour vous. En tout cas, c'est une façon naturelle de rééduquer sa vue. Et j'en suis très contente. Et bien maintenant, vous savez comment rééduquer votre vision naturellement. Vous allez pouvoir rééduquer votre vue grâce à ces exercices. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt les élixirs. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.